Ouais, du coup, alors, on a fini l'instance. Du coup, là, je viens de me suicider pour revenir plus vite et je vais aller répasse slash vendre. D'accord ? Ce sera plus cool et voilà. D'accord ? Donc voilà, donc formidable. Donc du coup, je rentre dans l'instance, je ressors, et là je vais réparer. D'accord ? Allons-y. Qu'est-ce que je voulais dire ? Par là ! Hop ! Allons-y. Ils peuvent commencer sans nous largement. Largement. Alors je pense que je peux y aller d'ici, non? Oh. Si je fais ça, comme ça. Si je fais genre ça. Ouais, ça passe nickel, hein. Ça passe qu'elle nie. Allons-y. Hein? Ah, j'ai raté. J'ai pas fait comme tout à l'heure. J'ai complètement raté. Dommage pour moi, hein. Allez, pendant ce temps-là, derrière, Lapi a survécu également à cette chute terrible. Hop. 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 Et bah tant pis, pas de crit. J'aurais pu le finir, mais... Le jeu en a décidé autrement. Allez, voilà, meurs. Va bien mourir. Voilà, un petit crit. Voilà, un petit crit. Encore un petit crit peut-être. Ah non, peut-être maintenant. Non, peut-être maintenant alors. Mais putain, c'est pas vrai. Tant pis, je le tue sans critique. Eh ben non. Oh là là, ça m'emmerde ça. Voilà. Allez, salut bande de nazes. Salut les nains nazes. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. On va quand même le finir, non? Ouais, on va essayer d'en finir un. Allez, salut. Donc on continue, hein. Alors. Comment va? Hop. Faut que je fasse des vidéos mage la quasi, c'est pas possible. C'est rare que j'arrive à te voir en live, du coup je donne. Et oui, Evila Natsu. Merci à toi, Evila Natsu. Bon, ça du coup ça sert à rien. Ça, on s'en fout également. Et ça... On s'en fout également. J'ai réparé, c'est bon, ça m'a coûté 1 PO. J'ai quand même 500 PO, c'est la bombe. On va mettre ça ici, comme ça, ça fera des patrons partout, ce sera plus joli. Voilà. Superbe. Et on repart dans la stance. Et on repart. On essaie de buter ce truc. Ah là, je vais avoir une pyro là. Voilà. Ah, ça change tout avec une pyro, hein, ça c'est sûr et certain. Et il y a Vaisseau qui va réparer également. Qui prend la sauce sur son stuff, visiblement. J'ai combien de playades à ce niveau? 28 minutes. Du coup on va mettre beaucoup plus de 30 minutes à passer ce niveau là. Mais bon alors c'est sûr et certain qu'on sera pas niveau 60 à 23h30. Ça c'est sûr et certain par contre. Oh, je devrais quitter le groupe là, ça me rapporterait plus d'XP. Bon enfin bref, peu importe. Parce que ça rapporte pas plein d'XP les rares élites en fait. Les élites rares élites. Élites rares élites. Bim, 1000 XP gratos et le tranchoir vicieux. C'est l'arme de Lapi d'ailleurs. Marin. Et je l'ai reçu. En cupidité puisqu'il y avait que moi dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Ode, projet 60. Salut, de toute façon tous les mecs qu'on croise à ce... vers cette instance là, c'est quasiment que des mecs de projet 60. Hein. Ça c'est sûr et certain. En fait je publierai mon live quand on sera pas loin de Ding 60 et qu'en plus... On partira bientôt en raid. Ça, je dirais. Ding 60 into. On part en raid. Ça va être formidable. Et donc voilà. Pas de boîte aux lettres pour envoyer tout ce stuff. Dommage. Dommage, dommage. Le druide qui va me doubler avec sa superbe forme de chat qui va plus vite. Regardez-le. Attention, attention. C'est maintenant. Ça va être maintenant. Ah, c'est par où? C'est par là. Ah, c'est par là. Ouais. C'est par là. Sur la droite maintenant. Est-ce qu'il y a un projet 70 qui se prépare? Non, pas pour l'instant du tout. Ah, pourquoi je vais plus vite? Ah, c'est l'aspect de la meute que j'ai eu pendant un court instant. Génial. Génial, génial. Il y avait des cafards qui sortaient du cul, lui, attention quand même. Donc on y va. Bon, je sais que c'est pas très intéressant en termes de VOD, de gameplay et tout. Mais au moins... A plus, il m'a dit.
Ah, on peut mettre la mount ici. Ah ouais, trop cool. Mais au moins, vous saurez tout ce que ça a impliqué. Et donc là, vous ne voyez que les dernières heures de jeu, mais en gros, il y a eu à peu près 24 heures de gameplay comme ça. En entier. En entière. Hein? Hein? Ça va, il a fait genre A+, alors qu'il était juste devant. Enfin, franchement, lui, il est porté par la lévitation. Go! On enchaîne encore. Alors. Alors. A+. Là, il y a quoi là-haut? Il y a des trucs là-haut? Il y a rien, c'est juste des packs de mobs en mode... il y a des mobs, mais ça sert à rien. Et là, il y a quoi là-haut là? Ah, ça, c'est l'ancienne... Ah oui, ça, c'est le... bah, c'est la sortie, en fait. Et là, c'est l'entrée de UBRS. Upper. Upper Black Rock. Ouais. Ok, bon. Formidable. Il y a quoi? Il y a un niveau 60? Ah oui! Bruce nous fait passer niveau 60. Niveau 60, et oui, parce que quand les gens passent niveau 60, on leur dit GG. Go! Ah, ok. Ah, ok. Ah, mais non, ça va, c'est parce qu'il y avait la PLS. Mais en fait, l'API a beaucoup de sorts d'AOE avec son Rogue. Et du coup, c'est vrai, parce que moi j'étais en mode si tu veux go. Après, le truc, c'est que le tank est tellement fort. Les tanks sont tellement balèzes. Allez, on recommence. Donc, on doit mettre lancé sur cette instance. Voilà. Hop. Ah, le tank va mourir. Il va mourir. Ah, rip. J'attends un peu de tanker. Mais comment il peut mourir ici? Je comprends pas. Pas mal. Tu pièges qui? Petit coucou de notre groupe depuis Marodon. Bonne fin de PEX et bon raid, tout ça. Comment se porte ton projet de production? Mon projet de production? Ça ne veut rien dire. Si tu parles du jeu, ça va. Je dois être aveugle, mais je trouve pas le sujet de l'event sur ton forum. L'event? Quel event? Quel event? Attends, je t'ai dit un truc là. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Snoof? Non, Souf Nobody, t'as dit quoi? Je sais plus de quoi on parle. Je suis désolé. Mais si tu parles du forum Projet 60, je suis pas au courant de tout ce qu'il y a sur le forum. J'ai dit. Chasser sur le forum avant de poser les questions, c'est ce que j'ai dit, mais il y a des trucs qui sont pas sur le forum. Hein. Mais oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait un truc que tu trouves pas. Donc voilà. Nice! 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 Il a sauté, il a pris les dégâts de chute, il est mort direct! Gros tank. Solo AQ20. Bah c'est free! C'est clair! Si ça solo ta Q20, et bah putain, c'est free mon pote. Tiens, à toi bien. C'est méga free. Ouais. Alors bon, comment ça je me suis fait CS par un mob, c'est scandaleux. Hein? Zera le mytho. Bah quoi? Oh, le 7 de fauve. Énorme. Oh, j'ai gagné en cupie. N'importe quoi. J'ai gagné à la cupie. J'ai pas pris de chute. Ah bon? Je croyais. Buff mage. Ah oui, pardon. Pardon, pardon. Putain, on a 6 sur 6 au niveau des buffs. Puissance d'attaque, puissance des sorts, coup critique, frappe multiple, hâte, endurance. Il nous manque Karak et maîtrise. Karak, pardon. Et maîtrise qui seront conférées par le... l'aspect, pas l'aspect de la meute, le truc de la nature de mon cul là, du druide. Et voilà. J'ai fait un pilier de feu sur deux mobs et derrière il avait 500 000, je suis très content. Mmh. Oui! Un pilier de feu qui n'a touché personne! Car tous les mobs étaient morts! Formidable Zerator Télévision, bien joué à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup, ah! Saute pas! C'est bon, personne n'a gros. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Regarde si la pi va. Je regarde. Non, ça a l'air bon. Le rare élite qui est tout le temps là. C'est bien.
mourrez purifié par les flammes. Ah non, ah non, il n'y a plus personne. C'est exactement ça. C'est genre, oh, vous allez voir quand ce sort va partir ce que vous allez prendre, bande. Et là, tu touches personne, t'es là. Ok. C'est pas grave. Tu relativises, tu te dis, voilà. C'était des mobs qui ne devaient pas être purifiés par les flammes. Tant pis pour eux. Tant mieux, peut-être. Tant mieux, tant pis, tant pis, tant mieux. Pff, écoutez. Ouais, presque un proc pyro là. Ouais, 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 ouais. Ah! Vivement la fin. Et il nous faut combien d'XP? 165 000, c'est plus. 165 000 pour passer 60. Il y a encore un mec 59 dans le groupe, c'est cool, il va passer 60 bientôt. Ouais, ouais, ouais. 165 000. Eh ben, c'est bien. Bon, c'est les deux niveaux les plus longs, hein. 58, 59. Enfin, 59, 60, on va dire. À cause du scaling réadapté du fait qu'on pouvait aller à Burning Crusade avant le niveau 60, c'est-à-dire à 58. Donc, c'est à cause de ça. Je pense. Quoique, non, on est passé de 145 000 à 165 000. Non, non, ça va en plus, hein. Le scaling est normal en fait. Du coup même pas. Oh putain, c'est quoi ça? Anneau de Magus. Oh! Eh, il y a écrit mage dans le nom de l'item, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. Ça, je vais le garder, on sait jamais. Mouais. Bof. Allez, go. Wouah, le mec! Il y a écrit Magus sur l'item. Il le prend. Hardcore. Gros groupe. Gros groupe, vraiment. Énorme groupe qu'on a là. Bravo à lui. Oh putain, la vache. Tant pis pour mon BIS. GK, allez me faire foutre. Putain, le mec l'a pris, quoi. Waouh. Bonsoir Zera, peux-tu nous dire où en est le développement de ton jeu indé? Pardon, j'avais pas vu, excuse-moi. Et bah écoute, ça en est que... on recrute un dev. On a eu un petit souci avec un dev, malheureusement. Et là, on recrute un dev de plus pour nous aider à tenir nos propres délais, non pas qu'on soit pressé par des délais vraiment, mais on aimerait bien sortir le jeu avant septembre. Ça, c'était le but à la base, mais je sais pas trop si ça va être possible malheureusement. Et donc par ce petit souci, on recrute donc un nouveau dev. J'ai posté tout ce qui est nécessaire en termes d'infos sur ma page Facebook et sur ma page Twitter. Mais c'est vrai que Twitter est beaucoup plus volatile parce qu'il y a beaucoup plus de tweets. Mais n'hésitez pas, si vous connaissez des gens à faire tourner l'info, etc. On cherche un développeur en C#. Pourquoi ça a annulé mon proc là, what the fuck? Et voilà, développeur Unity en C#. Je suis tout petit. Endurance réduite de 57. Je sais pas comment ça me fait d'HP. Non! Mon proc pyro! Je vais pas pouvoir le faire, je vais pas pouvoir le faire. Je vais pas pouvoir le faire. Non! Ah si, c'est bon. Ça va. Bon, on a bien rigolé, maintenant tu peux me passer l'anneau. NP. Oui. Non, parce que bon, les îles en critique, tout ça, tout ça. Ah, bordel de merde. Allez, go! Eh! Oh, bordel de merde! Tout va bien! Allez, totem! Moi, je focus les totems! Putain, c'est la première fois qu'on wipe pas sur ce pack. On progresse. GG à tous. 8 élémentaires, mais bordel de merde. Pourquoi il me le donne pas en vrai? C'est bizarre, non? Non, parce que. En vrai, cet anneau. Où est-il? Oh non! Non, mais je rigole.
je rigole, garde-le. Il l'a eu au rôle, hein. Il l'a eu au rôle, il gagne, c'est tout. Hop, qu'est-ce que c'est? Kéris de Zulcerac. Oh non, il a gagné au rôle, il gagne, c'est tout. Hop. Hop. Comment ça, Osef? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, je... J'ai pas plus de raison d'avoir l'anneau que lui, en vrai. Ah! De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien à ce qu'il dit. Je comprends rien à ce qu'il raconte, bordel. Aidez-moi! Aidez-moi! Mourez par le proc pyro! Ça y est! 2000! On a fait 2000 de dégâts! 2061! Boum! Record explosé, évidemment. De toute façon, on l'avait déjà fait, mais j'avais pas vu. J'ai hâte de voir combien de crits je vais perdre au niveau 60. Sauf si le scaling... sauf si maintenant ça marche plus comme avant. On va voir. Normalement quand je vais ding 60, je vais perdre du crit. Parce que là j'ai 34,88%. Autant dire presque 35. J'ai mal à la main. Faible. Faible. Non, c'est vrai qu'on a lancé beaucoup de sorts aujourd'hui. Mineur majeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Extraire 100 000 pierres et minerais. Nice! Trop cool! Extraire 100 000 pierres et minerais. Bah GG à eux! GG à eux! Fat au fait! Fat au fait! Franchement, un gros au fait! Alors il y a le Rarelite qui est tout le temps là. Ah non, il est pas là! Le Rarelite n'est pas là. On est tous extrêmement déçus. Potion de protection contre le feu supérieur. Ah, voilà un patron qui ravira les alchimistes. Pas du tout. Tellement pas du tout, quoi. Le patron bien useless. Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. Putain, ce n'est pas une mine. C'est un tombeau. Ah! Oh putain, j'ai un proc pyro. Je meurs. Voilà. Hop, on continue, je fais de la brûlure pour avoir le proc pyro. Et putain, on n'a pas le temps de faire un autre spell hein, dans ce jeu de merde. Pendant ce temps-là, des mecs font leur petit offert à cheveux, ça fait plaisir. C'est bien sympa. C'est chouette. Ah, contre-sort, tu es obligé de venir encore à cœur. C'est rien, on devient un peu fou, mais. Mais c'est cool. C'est vrai, c'est cool, c'est cool. Alors, c'est bon? Voilà, go! Ouais! Oh, j'ai fait un DPS là-dessus. Oh, par contre, j'ai un proc pyro. Hein? C'est bon, on a le temps. Même pas OS, vous vous rendez compte? Extrêmement déçu. Hein? En fait, je devrais attendre le choc de flamme pour quand il y a. Je devrais attendre le choc de flamme pour quand il y a évidemment de quoi en faire en fait. Pour quand l'araignée se disloque en 1 milliard de mille morceaux. Mais est-ce qu'il y a deux araignées souvent ensemble? Oui, là-bas. On va attendre le choc de flamme pour là-bas. On est obligé. Merde. Au secours. Au secours. Aïe aïe aïe. Ah, vite, proc pyro. Exactement, tu as tout à fait raison. Ça, c'est une donation très très juste. Alors attendez, donc là il faut attendre. On ne va pas faire une explosion pyrotechnique tout de suite. Un choc de flamme, pardon. On va attendre que l'araignée meure. Voilà, maintenant. C'eût été encore mieux s'il y avait eu les deux araignées mortes. Mais bon, Drapitus s'abonne à la Zerator TV, bienvenue à toi. Merci beaucoup, Drapitus. Viens ici! Viens ici, j'approche Pyro, viens là! Non! 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 6 secondes, vite! Oh non, l'ogre est pas là!
Nous... Nous avons laissé un proc pyro partir. Je suis extrêmement dégoûté. Waouh, 46 minutes le level en plus. Terrible. Terrible niveau. Qui nous aura pris des années. Mais nous allons up. Nous allons up très bientôt. Et donc passer de 165 000 d'expérience à je ne sais combien. Normalement un petit peu plus, genre 170 000, un truc comme ça. Et donc voilà. Allez, on invoque. Allez les filles, plus les grands bêtes. Par contre, c'est tout ce que tu auras pour tes heures sub. Désolé, mais je refuse de les payer. En plus, il est plus de 23h. Ah oui, il est plus de 23h, ça y est. Oh mon dieu, c'est terrible. Vous avez l'heure qui est sur le jeu, qui est là, en haut à droite, 23h15. C'est terrible. Les heures sup, incroyables. Le temps passe vite quand on s'amuse. Meurs. Proc Pyro. Divin Tractopelle, ça va de la Zerator Télévision et s'ajoute bien évidemment à la liste des subs et surtout à la liste des ogres qui font depuis tout à l'heure le même bruit que toi, c'est-à-dire. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Bombe Vivante n'était pas là avant. Ah non, Bombe Vivante est un sort qui date de. Je sais pas, Wotelka peut-être. Peut-être même après. Peut-être même à Kata. Qui sait, je ne sais pas. Ah, par contre, ce qu'on avait à Vanilla et qu'on a plus, c'est la vague Explo. Ça, c'est horrible. Pourquoi on n'a pas la vague Explo? Hein? Ah! On devrait avoir la vague Explo, qui était trop puissante. Quelqu'un a dit dans le chat, l'humour dans les donations, c'est golden. Donc je fais une blague, shower. On comprendra qui pourra. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bref, alors, Proc Pyro, formidable, j'ai up. Et donc, combien d'XP maintenant? Ouais, c'est ça, 172 000. 59. On est 59. Les dons des heures sup seront reversés aux officiers du projet 60. Comme toujours. Comme toujours. C'est bientôt la fin. Le début. Nuance. Merde. Le début. Il y a Ruscore qui veut me donner l'anneau. Ok, hein, moi j'insiste pas. J'ai fait la blague pour rigoler, mais s'ils veulent me le donner vraiment. L'âme tonnerre et épée bénie de cherche-vent. Au fait accompli. Et oui, mais non. Parce que non, du coup. Bonsoir, RT, s'il n'y a plus aucun modo sur le chat, sinon vous avez tué Ragnaros ou je sais plus qui, là, l'autre avec son village. Quoi? L'autre avec son village? De quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, si, il y a des modos sur le chat, évidemment. Et si tu parles des modos dans le jeu, si, il en reste aussi. Il en reste aussi. Bon alors attendez, par quoi on va remplacer cet anneau? L'anneau. On va enlever le postier, hein. Ça y est, il est temps. It's time. 35,63% de chance de crit, bordel. Alors comme ça, on lit mal mes dons? Eh ben tiens, galère à relire mon pseudo. C'est Motna. Non, ça va, Motna? En vrai. T'as fait une donation que j'ai mal lu, Motna? Mais non. Mytho. 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 J'en peux up. Vivement que ça se termine ce leveling. On part en raid. Quelque chose d'intéressant. Parce que là, faire 36 000 fois le même donjon. Ça en fout. Ça en fout, ça en fout. Salut, juste une question. J'ai mis dans ma collection une mascotte sans faire exprès et sans l'invoquer. C'est grave. Grand streamer de feu, j'ai monté presque 60. Alors, Qatar, j'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'imagine que non. Mais à voir. Mais je pense que non, a priori. Je ne sais pas. Ah, il m'a stun, mais après le proc pyro, au moment où j'avais plus le temps de rien faire, du coup. Oh, nice. Wow! Caisse de rogue. Jouer avec Lapi et Zera ou se faire kick. Gros loot. Nice loot. Fat loot. Je comprends rien ce qu'ils racontent, bordel. J'ai pas suivi leur conversation. Je poule le loup. Oh, poule le loup. Poule le loup. Attention. Bim. Bam. Bum. Mouais les bobs. J'ai fait un DPS là par contre. L'Octarogar, Ectosama. Ça veut dire la victoire ou la mort en orc. L'Octarogar. Eh oui. L'Octar, la victoire, Ogar ou la mort. Non.
Locke, la victoire. Tar ou Hogar, la mort. Locke, Tar, Hogar. Ah. Zog, Zog. Zog, Zog, par contre, je ne sais pas. Oh, j'ai raté un point de Pyrou ! Non ! Alors, voyons voir. J'ai raté un proc pyro. Chocopunko, s'abonne à la Zerator TV. Bienvenue à toi, Chocopunko. Merci de ton sub. J'aime bien ce pseudonyme. Gagne le prix du pseudonyme de la soirée. Non, il y en avait des pas mal. Oh putain, ça a changé de pack. Attention, deux packs d'un coup. Attention, go DPS. Atta. Sinon, pour m'empêcher de me réabo à WoW, garder un peu de vie. Et parce que ça faisait longtemps la bise. Nekleos 44, c'est bien d'essayer de te contrôler comme ça. Mais peut-être tu n'y résisteras pas. Je ne suis pas responsable de la violation de l'intégrité mentale chez les personnes n'ayant pas compris la blague de Coccinelle et ayant cherché sur internet. Les jeunes, ne faites pas cela. Ne cherchez pas sur internet. Luttons contre le fléau. La conscience collective. Salut, je vais voir Warcraft en avant-première avec mes parents, ma famille et du gamer oblige, mais la séance à 22h, il y aura moyen de te voir même si tu vas à celle d'avant. Sayanel, je ne pense pas. Moi j'y vais à 19 et après je pense qu'on va bouger. Enfin celle de 19. Du coup j'imagine qu'elle démarre quasiment l'une après l'autre. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je vous tiendrai au courant sur Twitter de ce qu'on fait après l'avant-première de Warcraft. De toute façon, par contre il y aura celle de l'API à 22h. Je crois qu'il n'est pas à celle de 19. Donc au pire tout pire. Tu peux aller voir la pie. Hop. Et si tu t'en fous de la pie, bah du coup je sais pas si on pourra se voir. Voilà. Hop. Et moi j'ai un peu peur du navet sur World of Warcraft. En fait ce sera probablement pour un joueur de WoW assez décevant. Mais comme je suis extrêmement bon public pour tous les films, moi j'aime tous les films en fait. Quasiment tous les films avec un budget assez gros, comme un débile, moi j'aime bien. En fait je me perds un peu dans les films, j'ai une sorte d'innocence naïve en regardant des films. Et je suis en mode, oh bah c'est bien. Quand quelqu'un est scandalisé par un film, moi je suis là, oh c'est bien. J'étais content, j'étais au cinéma, j'avais des pop-corns. J'étais assis dans une belle chaise. On était dans le noir, c'était rigolo. Regarde un écran. Je ne sais pas, je connais rien à WoW, mais où est mon village? Mais si tu sais là, enfin bref, à plus en l'air. Suivez-moi, je connais un passage, c'est ça? Où est mon village? Où je suis Nila Saran, c'est ça? Où est mon village? Ah. C'est terrible ça. Donc ouais, donc je sais pas. J'en ai aucune idée pour Warcraft, hein, mais... Moi je suis plutôt bon public. Bon! 40%! La prochaine devrait être la bonne. Donc dans 20 minutes on devrait, à peu près. La pile, mais c'est encore mieux, sans offense. Eh bah tant mieux ça Yanel, au moins t'es content. Au moins tu seras pas déçu. Non, moi je suis content que tu sois pas déçu mec. Tant mieux. Tant mieux si ça te plaît. On dit no offense, pas sans offense. Oh là là, j'en peux up. Alors il faut se suicider. Yep. Go suicide. Faut se suicider dans le jeu hein. Dans la vraie vie ça reste quelque chose de... Pas forcément worse quoi. Bon, mon inventaire est plein, mais je m'en tape. Inventaire plein. Les mobs, laissez-les-moi. Ça fait tellement stupide les 4 mecs qui se retrouvent autour des mobs qui sont là, bah, qui meurent un par un. N'importe quoi. Bon. Où est-ce qu'on en est? Fais une pause maintenant. Enfin une pause maintenant. En attendant le reset de l'instance. Je pense que c'est mieux maintenant. A tout de suite, dans 5 minutes. Je pense qu'on va up 60 sur le prochain gameplay. Ne bougez pas. Nous revenons. Tu crois que ça va être lassant au niveau 60 une fois les raids terminés? Si peut-être, mais c'est pas grave. On aura passé une bonne période. A tout, je reviens, à tout de suite. On en parle après.